Christopher Game. Donc, nous aujourd'hui, nous allons reprendre notre partie de Wolfenstein The New Order. On devait aller dans les sous-sols de Berlin. Est vraiment moche, ce mec. Étape du plan pour intriguer la cachette sous-marine de Sept. Donc, Utilise le glisseur pour trouver un accès au dépôt d'armes dans les catacombes de Berlin. Anya suivra ta position grâce au transpondeur et elle te fournira des informations tactiques. Bonne chance, Pascal. Ces eaux sont dangereuses. William, tu m'entends? Tu vas devoir traverser les tunnels des égouts pour atteindre les catacombes de Berlin. Je vais essayer de te guider. D'accord, Bibus. Guide-moi. Attends, juste elle me fait chier cette porte. Voilà. C'est toujours pas ça, mais bon. Ma porte de bureau, elle veut pas fermer, ça me fait chier. Pour avancer, S pour reculer, la souris pour tourner. Et E pour arrêter. Ouais, et ils disent pas que. Elle me fait vraiment chier cette porte. Attendez, hop! Disent pas que Q et D permet de pivoter. Mais c'est pas grave. Y a pas d'armes là-dessus. Le secret qui est là. Obtenir ce secret. Il y a un tunnel. Comment je fais pour obtenir le secret? Il y a un tunnel par le côté. Et on a vu le secret. Tu devras peut-être descendre du glisseur pour supprimer les obstacles qui te barrent la route. Mais n'oublie pas où tu l'as laissé. C'est ta seule source d'oxygène. Ouais, enfin ma seule source d'oxygène, tu m'excuseras, mais quand je sors. J'étais un gamin, et la vague rouge arrivait. J'ai désobéi à mon père et je me suis plongé dans l'eau. C'était comme si ma peau était en feu. C'était comme si ma peau était en feu. Qu'est-ce qui lui arrive? Tu es juste sous la prison d'Eisenwald. Caroline m'a dit que quelques prisonniers avaient essayé de s'évader par les égouts avec des objets de valeur il y a quelques années. Ils ne sont pas allés plus loin.
suis où là? Je suis au chim et des lampes. Je sais pas où je suis. Mais il y a des petits trucs. Alors, je pourrais sauter là-dedans. Je sais pas où ça mène. Lettre. Hop. Je sais pas si ça mène au bord ou si je saute dedans. Pas sauter. Tu devras nager à certains endroits, là où le glisseur ne peut pas passer. Ouais, je sais. Je vais accrocher plus que ça parce que. Ah, d'accord. Vous avez vu? L'oxygène, quand j'en ai plus, c'est ça devient de plus en plus noir. À 13 ans, je suis tombé dans la mare près des étables. Je suis rentré couvert de sangsues. Chose que je voudrais te dire. Je suis en train de lire un journal que m'a donné ma grand-mère. C'est celui de ma cousine Ramona. Elle travaillait avec nous à la ville. Elle est morte depuis. Mais elle protégeait de nombreux secrets. Comme elle ne pouvait se confier à personne, elle a tout mis par écrit. Je vais t'envoyer les messages radio dans ton journal. Tu pourras les écouter si tu en as le temps. Je suis un peu paumé là. Alors,
paumé, il y a des endroits que j'ai pas vus. Alors. Je crois que c'est là que j'ai vu le secret tout à l'heure. Il me semble que j'ai vu ça derrière. Alors là, quoi, il te met une oxygène automatique. Enfin, oxygène infini, un coup laisse tomber quoi. Peut-être en montant sur ce caillou là, si je peux monter. Non. Il me semble que le secret il est juste derrière celui que j'ai essayé de prendre tout à l'heure. Et j'arrive pas à monter. Bon bah tant pis, je vais pas passer 5 heures dessus, c'est qu'un trésor. C'est pas un code. Alors, je suis tourné comment là? J'y vais pas, c'est bien. C'est une grosse part d'ombre par là-bas. Ah bah oui, mais c'est là que je peux pas aller. Donc on s'en fout. La section dans laquelle tu te trouves est désaffectée depuis longtemps. Mais certaines machines sont peut-être toujours en état de marche. Gros boulet. Si froid que celui-là. Autrefois, ce bassin servait à réguler les débordements. Tu vas devoir trouver le moyen d'atteindre la plateforme de l'autre côté.
ici. Devoir nager pour rejoindre les catacombes. Elles ne sont plus très loin. À 11 ans, j'ai traversé le lac Fornay pour gagner à Paris. Mais il y faisait moins sombre. Faites gaffe, il y a des mines là-dedans. Bloqué. Je dois trouver le moyen d'accéder à l'entrée. C'est pas très très discret, mais au moins je regarderai pas derrière pour chercher. Ils sont forts, ils ont mis quelque chose là. Ils sont pas trop forts, ça va encore. Est un de Bethesda, mais ils sont pas trop forts. Alors, il y a par là et il y a par là. Je vais prendre le chemin. Je suis là.
de l'autre côté. Ouais, si j'avais pris l'autre côté, ça donnait quoi? Je crois que c'est ce que vous disiez aussi. Mais effectivement, je retourne sur mes pas. J'ai nagé dans les fosses au-dessous des laboratoires du boucher. Mais c'était pas aussi sale que maintenant. Il nous fait son récapitulatif de tout ce qu'il a fait avant. Bien fait, hein. Je n'ai pas sur mes pas, j'avais pas le secret. Pas trop idée, mais ouais. Bon travail, Blaskowitz. Hein? Et ta mère? C'est quoi ce pince? William, les catacombes sont juste au-dessus de toi. Et il y a un ascenseur qui te conduira directement au dépôt d'armes. Bon travail, Blaskowitz. Tu as réussi à t'introduire dans le dépôt d'armes. C'est la seconde étape du plan pour accéder à la cachette sous-marine de Seth. Tu trouveras un train de marchandises dans l'un de ses entrepôts de munitions. Il est rempli d'armes à feu, de torpilles, tout un arsenal destiné à alimenter la machine de guerre nazie. Tu vas voler ce train. Les armes à feu pourront nous servir à renforcer nos combattants, mais notre priorité est de sécuriser les torpilles. Elles te permettront de prendre le contrôle d'un sous-marin nazi. Mais chaque chose en son temps, vole le train. Trouve le train et conduis-le à la gare souterraine abandonnée au nord d'ici. Notre équipe t'attendra là-bas. Klaus t'en dira plus quand tu le rejoindras. Il y a encore des trains qui passent ici. Ouais. Question à 3 euros. Comment? Ah bah je suis bon. J'étais en train de me demander comment je vais. Faisons ça. Hop là.
Ok, y a rien là-haut. UM. J'aime pas trop quand il faut utiliser des grenades UM. Une balle de shotgun. Et où est-ce qu'on a? Pas souhait lui.
Donc c'est sur l'autre quai. Enfoiré. Il me semble que j'avais vu une trousse de soins. C'est quoi, j'ai laissé ça là pour l'instant. Et je vais chercher ma trousse de soins. Démarrer le train, c'est peut-être que l'aiguillage de la voie est mal orienté. Il devrait y avoir une salle de commande à proximité où tu pourras changer l'aiguillage. T'as une belle gueule, mec. J'ai filmé mes popotes que j'ai ouvert. Non. Par contre. Ah, j'ai laissé la MG40. MG60 direct, oui. Si j'ai peut-être le temps de passer avec la MCMG. Lui qui est faussement accroché. Une armure, c'est bon ça. Les casques nazis. La munition légère pour mon flingue. Ah, mais la pause pour la reprendre. Le fusil à pompe. Et par là, ça a l'air
peut-être le chemin qu'il faut que je prenne. Donc, je vais laisser ma SMG ici. Voilà. Et je vais aller en bas. Là. Une grenade UM. Là, c'est fermé. Il n'y a pas de secret. Et là, ça pense que je pouvais pas ouvrir tout à l'heure. Je peux récupérer ma SMG. SMG, mitrailleuse super grosse. Si j'ai pas déjà fait la traduction. Sens libre au chantier naval. Alles in Ordnung, Horst. Du nimm nicht so viele Kissen, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ja, ja. Du fournisst les torpilles à tous les sous-marins nazis d'Europe. Tu cacheras dans cette torpille-là. Horst te remettra avec le reste. Tu te réveilleras à bord d'un sous-marin pour le petit déjeuner. Et pendant le sous-marin, on rejoint la cachette de 7. Oui. Marin. Dans ton clipboard. Allez, bon sang! Tiens-moi ce machin pendant que je le vide! Ok, Coral, Johnny. Rentre dans la torpille. Une fois à bord du sous-marin, plaque ce truc dans la salle du poste radio. Et déploie les balises radio. On reste en contact. Donc, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, amusez-vous et bon jeu à tous!